favori de la course, Makanska. Départ dans quelques instants de cette course. Voilà, ils sont partis à l'extérieur. El Patron est mis pression sur El Patron qui va essayer de s'élancer en tête de la course. Mais regardez Makanska, très facile. Hein. Va le laisser travailler pour quelques mètres encore. En troisième position, nous avons Waimea, suivi de Secrets of Maya à l'extérieur, complètement Soul Connection, à l'extérieur de Socorro. Puis nous avons Swagger Jagger. Swagger Jagger, donc, en dernière position. Et juste devant lui, il y a bien sûr Neville MU. Les chevaux sont dans la descente. En tête de la course, El Patron avec tout juste deux longueurs d'avance sur Makanska, qui l'a fait travailler, bien évidemment, pour garder la corde. Socorro tire beaucoup à l'extérieur, suivi à son extérieur de Waimea. Puis nous avons Secret Sam Maya. Neville MU se trouve à la corde. Puis nous avons Soul Connection. Et en dernière position, Swagger Jagger. Les chevaux n'ont plus que 400 mètres environ à parcourir. Voilà que Makanska commence à mettre la pression sur le meneur El Patron et qui part pour l'instant avec tout juste une longueur et demie d'avance avec Swapnil Rama en selle. En troisième position, nous avons Waimea. Makanska a deux bonnes longueurs rattrapées. El Patron semble avoir la course bien en main pour l'instant. Il va être difficile à rattraper. Je crois qu'il a déjà fait la différence alors que Makanska arrive très très fort. Mais El Patron gagne cette course de deux longueur. Devant Makanska, troisième Socorro, quatrième Neville MU. Eh bien, forte la prestation de El Patron, oui, même très fort, hein, puisque il a vraiment mis la pression pour prendre les choses en main. Et puis, on pensait que Makanska l'avait fait un peu travailler. Moi aussi, je pensais que le plus difficile avait été fait pour Makanska, grand favori de la course, hein, à 140 ou 150 roupies pour une mise de 100 roupies. Et lorsqu'on a vu Makanska faisant El Patron travailler, je me suis dit comme ça, eh bien, ça y est, la victoire est en poche. Mais El Patron nous a réservé une très, très belle performance aujourd'hui sous la montre de Swapnil Rama. Eh bien oui, il est reparti de plus belle, n'a jamais faibli.